Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette une des journaux qui vous est offerte par Bâtisseur Plus Inter. Vous aimez la qualité et vous recherchez des matériaux de construction fiables? Bâtisseur Plus Inter est la solution. Bâtisseur Plus Inter importe tout ce dont vous avez besoin en carrelage, en luminaire, en sanitaire, en robinetterie, en ameublement et en plomberie. Visitez-nous à Abomey-Calavi, 4e rue après SOS, en quittant Kota pour l'Université d'Abomey-Calavi. Infoline 00229 91 77 72 77. Et on démarre par le quotidien d'Agla, le Béninois libéré qui placarde en manchette ce matin. Niger, déclaration de Ama Amadou sur la situation. Mamadou Issifou accusé, le jeu flou de la junte, l'ultimatum de la CDAO était une grosse farce. En deuxième de une, votre quotidien affiche dénonciation de la gestion hasardeuse des autorités communales de Banté. Les jeunes de Banté appellent Talon au secours. La commune risque de perdre son partenariat avec la ville d'Amaï. En Belgique, autre information à découvrir à la une de votre journal ce matin, situation nigérienne, les recommandations des démocrates à Talon et ses pairs de la CDAO. Enregistrement des conventions de vente de parcelles, l'invite de la DGI aux propriétaires de biens fonciers. En bas de page, votre quotidien affiche ce matin, police républicaine, 277 fonctionnaires promus aux différents corps des brigadiers de police. Dans les colonnes de votre journal, vous lirez « Police républicaine, voici les 234 stagiaires déclarés admis et titulaires du diplôme d'officier de police. » Faire divers pour finir, une leçon donnée par la population à des voleurs de poules. On retrouve à présent le matinal qui placarde en manchette ce matin, fin de l'ultimatum aux poutistes pour la restauration de l'ordre constitutionnel au Niger, la CDAO très attendue. En deuxième de une, votre quotidien affiche concert de l'indépendance 15 à Gaudier et Gay, le public, le potentiel qui nous parle ce matin de l'organisation des missions dans les structures publiques, l'agent de l'État, otage d'un réseau mafieux, chauffeur, garde-corps, victime de détournement, des frais de mission, des agents fantômes payés sur des missions non effectuées, la brigade économique et financière pour traquer les faussaires. En deuxième de une, irrégularité dans les marchés publics passés en 2020, la prison, châtiment annoncé sur le crime des 130 milliards. On passe à présent au quotidien Gastuani Info qui placarde en manchette ce matin. À 3 ans de la fin de son mandat, Talon soigne son image. En bas de page, votre quotidien affiche 44e édition des championnats d'Afrique des clubs champions. Adidja, champion du Bénin, en route pour Brazzaville au Congo. On retrouve le quotidien Matin Libre qui placarde en manchette ce matin. Drame de Dassa. Les parents des victimes ensemble pour défendre leurs droits. En deuxième de une, votre quotidien affiche trafic de faux médicaments au Bénin, plus de 116 milliards de francs CFA de manque à gagner. Mesdames et messieurs, terminons cette une des journaux avec la relecture du quotidien d'Agla. Le Béninois libéré qui placarde en manchette ce matin, Niger, déclaration de Ama Amadou sur la situation. Mamadou Issifou accusé, le jeu flou de la junte. L'ultimatum de la CDAO était une grosse farce. En deuxième de une, votre quotidien affiche dénonciation de la gestion hasardeuse des autorités communales de Banté. Les jeunes de Banté appellent Talon au secours. La commune risque de perdre son partenariat avec la ville d'Amaï en Belgique. Autre information à découvrir toujours sur la une de votre quotidien de ce matin. Situation nigérienne, les recommandations des démocrates à Talon et ses pairs de la CDAO. Enregistrement des conventions de vente de parcelles, l'invite de la DGI aux propriétaires de biens fonciers. En bas de page, votre quotidien affiche police républicaine,
277 fonctionnaires promus aux différents corps des brigadiers de police. Dans les colonnes de votre journal, vous lirez ce matin, police républicaine, voici les 234 stagiaires déclarés admis et titulaires du diplôme d'officier de police. Fait divers pour finir, une leçon donnée par la population à des voleurs de poules. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour la présentation de la une des journaux parue et parvenue à notre rédaction ce matin. Agréable journée de travail à chacun et à tous sur les programmes de Béninois Libéré Télévision.